Bonjour et bienvenue dans cette capsule pédagogique. Que sont les nuances? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons commencer par écouter attentivement dans L'antre du roi de la montagne, extrait de Peer Gynt, composé par Edvard Grieg. Alors, pour rappel, parce qu'on l'avait déjà vu en sixième, la nuance, c'est le volume sonore. On l'appelle aussi l'intensité. En effet, ici, on parle de volume induit par la force de jeu de l'instrumentiste et non d'un bouton de volume que l'on tournerait. Par exemple, plus un pianiste va appuyer fort sur les touches, plus la nuance sera forte. Plus un flûtiste soufflera fort dans son instrument, plus la nuance sera forte. Plus un violoniste appuiera sur son archet, donc sur les cordes, plus la nuance sera forte, etc., etc. Nous allons revoir quelques nuances utilisées en musique. Alors, tous les extraits sonores que tu vas entendre ici seront interprétés au piano et proviennent de la chaîne YouTube Practical Piano Tips. Nous allons commencer par la nuance faible. On dit piano et l'abréviation est un P minuscule. Au piano, ça donne ça. En enlevant la dernière lettre du mot en italien et en ajoutant issimo, on va obtenir très quelque chose. Par exemple, piano, faible, deviendra pianissimo. Tu enlèves le O et tu rajoutes issimo à la place. L'abréviation, c'est 2P, donc ça veut dire très faible. Écoute bien, voici ce que ça fait au piano. Se dit forte. L'abréviation est un F minuscule. Écoute au piano ce que cela donne.
Pour dire très fort, il faut utiliser la même méthode que pour très faible. Donc tu enlèves la dernière lettre pardon, du mot forte et tu ajoutes ici mot. Donc tu enlèves le O et tu as le E pardon, et tu ajoutes ici mot et tu obtiens fortissimo. Et ici, l'abréviation, ce sera 2F. Écoute au piano ce que fait un fortissimo. Moyennement fort se dit mezzo forte. Mezzo, moyennement, forte, fort. Ici, on va jouer ni trop fort, ni trop faible, un petit peu entre les deux. Écoute. Alors, pour une nuance de plus en plus fort, on va parler de crescendo. Crescendo. Et l'abréviation, ça va être le signe mathématique du plus petit au plus grand, hein, puisque tu as peut-être déjà vu dans des partitions. Ce symbole indiquant donc une montée progressive de la nuance. Écoute. Enfin, lorsque la nuance est de plus en plus faible, on dira que c'est un décrescendo. Et donc l'abréviation sera le symbole mathématique du plus grand au plus petit, puisqu'on va réduire la nuance. Dans notre œuvre de référence, L'Antre du roi de la montagne d'Edvard Grieg, le thème est joué de plus en plus fort. Donc la nuance augmente progressivement sous forme de crescendo. On va commencer pianissimo et arriver fortissimo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!